Oh, je l'ai déjà fait plein de fois. Rivoli. Je te tiens. Pour la sécurité de tous, vous avez une chance de n'hésitez pas à signaler tout par la Please keep your belongings with you at all times. Report any unattended bags, luggage or suspicious activities. Alors, on s'arrête à la muette. Bonjour, de quel côté de la France venez-vous ? Du sud, de Carcassonne. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ? Non, parce que j'ai débuté ma carrière à Paris. Quel monument préférez-vous ? Alors, le monument que je préfère, c'est le Panthéon, suivi de Montmartre. Merci. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. De toutes les émissions que vous avez animées, quelle est celle que vous préférez ? Celle qui me touche le plus, c'est Taratata. Et n'oubliez pas les paroles. J'aime parce que je rigole, il y a de la musique et que j'ai l'impression qu'on s'amuse bien. Et j'espère ne pas être le seul. Depuis combien de temps faites-vous ce travail ? Voilà, c'est que je suis vieux, hein. Donc j'ai commencé, j'avais 17 ans, j'en ai 54, je te laisse calculer, comme ça la prof de maths sera contente, tu auras fait un calcul. J'ai commencé à 17 ans, j'ai 54 ans, à toi de calculer. Pourquoi vous avez choisi d'être dans ce média radio ? Parce que quand j'étais...
j'étais adolescent, j'étais pas bien dans ma peau, j'aimais pas danser, j'aimais pas qu'on me regarde pendant que je danse. Et puis je voulais plaire aux filles. Donc quand tu fais une soirée et que tu sais pas danser, si tu veux plaire aux filles, il faut passer le disque. Donc j'étais disque jockey. Et puis à force d'être disque jockey, je prenais le micro, je faisais des blagues. Et puis je cherchais. C'est qu'à cause des filles en fait. Tout ça, c'est à cause des filles. Que préférez entre animateur et être journaliste? L'animateur, ça dépend. Il n'y a pas une grosse différence entre animateur et journaliste, si ce n'est que journaliste, tu travailles sur des sujets beaucoup plus graves, sérieux, des fois tristes. Ça peut être l'économie, ça peut être les attentats, ça peut être la politique. Et l'animateur, c'est plus la musique, des comédiens, des réalisateurs, le théâtre, le cinéma, la mode. Donc moi j'ai préféré, parce que je trouve que des fois, enfin souvent la vie est triste, donc j'ai préféré le côté léger du métier. Est-ce que c'est vous qui préparez l'émission ? Alors oui. Et si je peux vous dire quelque chose qui est essentiel, c'est qu'on réussit à rien dans la vie sans travailler. Donc, si vous choisissez un travail que vous aimez, parce que comme ça, vous ne rendrez pas compte de la fatigue et de la masse de choses à faire ou à préparer. Si par contre, vous faites un métier en disant « je vais faire ça parce qu'il faut que je fasse ça, mais je n'ai pas trop envie de le faire », là, vous allez souffrir le martyr. Donc faites un boulot que vous adorez et vous ne verrez pas le temps passer et au moins, vous pourrez travailler. Mais on ne réussit rien sans travail, je te jure, rien du tout. Et combien de temps ça prend ? Ça dépend. Une émission de radio, par exemple, comme celle à laquelle vous assistez, il faut le temps de regarder le film, de travailler la vie de notre invité. Et puis ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas, mais en moyenne, il y a deux jours de travail pour une heure d'émission. Merci. Merci.